Toi qui viens de tomber contre une team full AD et qui a décidé de first time Rammus, sache que tu as pris la bonne décision. Néanmoins, il est important de connaître les bases et de ne pas faire certaines erreurs, voilà pourquoi je te propose de regarder cette courte vidéo pendant le temps de chargement. Déjà, pour les runes, je te conseille d'aller sur des sites spécialisés, sinon je te les affiche à l'écran. Pour le build, tu prends l'item Jungle Vert, puis tu rushes la côte épineuse et l'étable ninja. L'item mythique Jack Shaw est broken, donc autant en profiter, puis tu conclus avec la cape solaire, une plaque du mort, remplaçable par le randouin s'il y a beaucoup de critiques, ou un masque abyssal s'il y a de la pénétration d'armure, aidé au bout du rouleau en face. En dernier item, un lithopastron de gargouille est parfait. Attention, ne fais jamais de cœur gelé si tu ne veux pas te nerf toi-même, ou d'items sans résistance comme la Warmog. Pour les sorts, commence au Z et prends le E en deuxième. Maxe le A, le E puis le Z, et tente d'optimiser au mieux les délais de chaque sort qui se complètent très bien entre eux. Pour le clean, tu peux commencer au Raptor avec un Z en tapant uniquement le grand Raptor. Puis le Red, les Golems, et tu finis par un gank top et ou mid. Ensuite, tu fais le Carapateur, tu termines ta jungle et un dernier gank en botlane. Privilégie les ganks au farm durant la partie sans pour autant le négliger. Pour les Drake, l'ordre d'importance est Montagne, Air, Hextech, Infernal, Chimico et Océan. Trois points importants avant de te lancer dans la faille, juge la situation pour savoir si tu dois engager avec ton R ou le garder pour t'échapper. À 3 items, n'hésite pas à tenter des dives ou des actions agressives, contre des AD tu as déjà un gros avantage. Focus les cibles ayant le plus d'attaque speed, puis prépare le teamfight en temporisant 2 ou 3 joueurs en ligne arrière. Bonne chance à toi, si tu souhaites avoir des infos plus poussées sur le tatou blindé, n'hésite pas à passer un œil sur ma chaîne ou mon application dédiée en description.